J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve. On est lundi. On est lundi 20. Il est pas loin de 9h. Donc je vous reprends le matin de bonne heure. Comme ça, je vais vous mettre la vidéo pour 10h pile poil. Donc on se retrouve pour faire l'abécédaire sur la lettre D. D. Donc c'est parti. Alors, je reprends mes bouts de chute. Donc, mes bouts de chute pour faire sur celui-là du milieu, ils font 6,3 sur 15. Et donc, c'est parti. Moi, vous savez très bien que mon abécédaire, je le fais en forme d'étiquette. Comme ça, je viendrai les coller dans un petit carnet, un petit truc comme ça. Alors, je ne dis rien pour l'instant de ce que ça va être. Je vous laisse découvrir. Donc là, il va falloir que je mette du washi, par contre, pour le tenir. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je vais en mettre un déjà là, pour commencer, et puis un ici. Je vais plutôt le faire droit. Et puis déjà, je vais commencer par sur le côté. Hop. Voilà, alors je vais le mettre droit ici, comme ça. Voilà, comme ça je suis droit avec ma plaque. Donc je vais commencer par cette ligne-là. Hop. Voilà, je vais reprendre. Donc en fait je fais des petites rectangles, on va dire, de 1 cm. Et puis là. Et comme ça, là, c'est pareil. Et ensuite, donc là, il faut que je calcule quelque chose, par contre. Alors, je me mets droit. Hop. Alors, attendez, déjà, je vais commencer par là. Ça, on va le fermer là. Et on va le fermer par ici. En fait, ça, je m'en occupe pas tout de suite. Je pense, je sais même pas si je vais m'en servir de toute façon. Je vais regarder. Donc, pareil, là, je vais faire des petites cases en suivant 1 cm. Donc là, ça va être là. Donc là, je vais le mettre là. Et lui. Ah oui, du coup, mon papier, je l'ai pas assez. J'ai pas assez enlevé mon séparateur. De toute façon, ça va pas se voir. J'avais pas assez fait mon frottement du washi sur ma plaque. C'est pas grave. Ici. Ici. Et puis ici. Mais là, ça va faire petit. Alors déjà, je suis même pas à 1 cm. Bon, c'est pas grave. Moi, je le laisse comme ça. Non, je vais gommer parce que ça va pas me plaire. Alors. Là, ça fait même pas 1 cm. Moi, j'aurais dû commencer directement là. Bon, c'est pas grave. J'ai juste enlevé ces trois-là. Hop. Alors, je reprends. 1 cm, c'est ici. 1 cm, c'est ici. Ici et ici. Voilà. Du coup, ça je vais l'enlever tout doucement. Hop. Et voilà. Non, je pars tout doucement parce que mes enfants ils dorment encore. On est lundi, il n'y a pas école aujourd'hui. Alors là, je vais remettre un petit coup de crayon là. Là. Puis voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'espère que ça... Je n'ai pas dépassé. Je n'ai pas un autre feutre noir que ça parce que c'est un petit peu épais. Alors, je vais chercher un feutre et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, ça, je vais le ranger. Alors, du coup... Alors. C'est bon, donc je commence. Attendez.
Ouais, je commence par alors. Voilà, alors j'ai fait exprès de laisser les petites cases comme ça, donc j'en voulais 6 et j'en ai eu 6, donc j'ai eu tout pile poil, j'ai bien compté. Donc là, je n'ai pas mis l'un parce qu'en fait j'aurais dû commencer là, mais j'ai commencé là, donc c'est pas grave. Donc en fait, c'était pour faire des petites découpes avec, je sais même plus comment ça s'appelle, mes dice. Pour faire des petites découpes sur les dames, comme des, comme dames, les jeux de dames. Donc voilà, alors je pense que je vais les poser comme ça. Hop. Hop. Et hop, comme ça. Bah, je sais pas ce que je voudrais pas en mettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, plutôt comme ça. Lui, je vais le mettre, hop, ouais, lui, je vais le mettre là, et lui ici. Donc voilà, ça va faire ma petite carte, comme ça. Donc voilà, je vais déjà coller celui-là.
Si je vais l'attraper. J'ai dit, je me mettrai ici. Hop. Ça, je vais mettre là. Et puis ça ici. Voilà. Et du coup, on va mettre D. Ça, par contre, je vais prendre plutôt un stylo. Ça fait un petit peu trop grand. Alors, je vais le mettre là. Par contre, je vais prendre un cran. Ouais, je vais prendre un grand dé. Normalement, je dois en avoir. Alors, j'aurais bien voulu l'avoir en noir et blanc. Là, c'est tous mes stickers, hein, que je range pas. Je mets directement dans une boîte. J'en ai marre. Wesh. On va prendre celui-là. J'ai dit ouais, hein. J'ai pas dit wesh. Parce qu'on m'a déjà fait la marque alors que je dis wesh. Et je dis pas wesh. Hop. Après j'en ai petits mais ils vont être trop petits. Eux c'est des couleurs. Non. Okay. Je pense que je vais prendre ceux-là. Moins que dans celui-là j'en ai des petits mais pas trop petits non plus. Et des noirs. Alors je me sens que j'en ai vu passer là. Ouais. Voilà. Eux ça me plaît. Ils auraient fait un petit peu trop gros. Donc là, je vais le mettre ici. Et je vais marquer D. D. Comme dame. Voilà. Tout simple. Par contre, je pense que je vais l'ancrer en noir. Oui, je vais l'ancrer en noir. Non, là, ça c'est gris. Et je l'ai fait tomber. Voilà. Donc voilà mon abécédaire. D comme dame. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour la TC de la semaine.